Para mí no es una vida normal. Ce n'est pas une vie normale pour moi. Je travaillais trop dur, beaucoup trop dur. Muy duro. Tous les jours, lorsqu'on descend au fond de la mine, on risque notre vie et on a peur. Beaucoup y sont restés. T'as vu comme c'est dangereux ici? Sous terre, on vit comme des rats, sans jamais voir la lumière du jour. Et tout ça pour 100 francs la semaine, alors qu'on se ruine la santé à cause du gaz et de la houille qu'on respire sans cesse. Vraiment, il faudrait qu'un jour on arrête de jouer avec nos vies. Lorsque je descends au fond de la mine, l'air me manque et j'ai du mal à respirer. J'ai l'impression de vivre dans un monde de rats, où l'obscurité est plus noire que la nuit. C'est ça une mine de charbon. Je suis content de travailler ici, parce qu'on gagne bien. On est payé au rendement. Évidemment, c'est dur, très dur même. Mais il faut se défoncer au maximum pour faire son quota de charbon le plus vite possible et pouvoir ensuite aller se reposer ou dormir. Moi, je travaille 8 heures par jour, du lundi au samedi. Nous, les enfants, on nous embauche ici parce qu'on peut se glisser dans les boyaux étroits. C'est pour ça que les patrons sont contents de nous avoir. Il se va? Listo? Listo. Bueno. Papa? Papa, il est bientôt 4 heures. Oui, et alors? On peut s'arrêter. Je me sens très fatigué. Je gagne en moyenne 150 francs la semaine. Mon père, lui, ne gagne que 120 francs. Il fait moins parce qu'il a du mal à piocher, alors son rendement est plus bas que le mien. On crève de chaud dans la mine. En plus, j'ai une santé fragile, ma tension est élevée et j'ai des problèmes respiratoires, alors je travaille plus lentement que les autres. Avant d'être ici, j'étais agriculteur, mais ce n'était pas rentable. Je n'arrivais pas à nourrir ma famille. J'ai 8 enfants, et même aujourd'hui, je ne peux toujours pas leur payer l'école. Nous, on a toujours été pauvres. Il faut donc se résigner à travailler dangereusement pour survivre. Je n'oblige pas mon fils à aller à la mine, il peut retourner au village près de sa mère s'il veut. Mais c'est lui qui insiste pour travailler avec moi, c'est son problème.
J'aurais préféré aller à l'école, bien sûr. Mais comme on n'a pas le sou, je me retrouve là à piocher. En fait, il n'y a pas d'âge pour faire les études. Par exemple, dans mon village natal, je connais une vieille de 82 ans qui vient de commencer l'école primaire. Alors moi, je me dis que j'ai tout le temps pour étudier. D'abord, il faut que je travaille dur dans la mine. Et peut-être qu'un jour, je réussirai. ¿Qué utiliza su mamá en la casa para preparar los alimentos? El carbón. ¿Con el carbón se podrían hacer juguetes? No. Sí. Lo utilizamos para hacer juguetes. Para hacer la talla que... Ici, dans la région de Topaga, le gros problème, c'est l'exploitation rudimentaire des mines de charbon. Les pères de famille n'hésitent pas à envoyer leurs enfants faire un travail très dur et dévastateur pour la santé. C'est un manque total de responsabilité paternelle. C'est de l'inconscience, car les mines sont insalubres et dangereuses. La plupart des enfants de la région sont à la mine car leurs familles sont démunies. Ils vont à l'école le matin et travaillent l'après-midi. Certains le font spontanément parce que c'est une tradition familiale. D'autres souhaitent aider leurs parents nécessiteux. Ils n'ont pas le choix. C'est le cas du jeune Jaime Andrés. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Je suis veuve et sans revenu. C'est pour cela que mon fils est obligé de m'aider en allant à la mine au moins 3 heures par jour, à l'exception du dimanche. Son rôle à lui, c'est de décharger le charbon. Mais il ne descend pas au fond. Ah bon? Tu vas sous terre aussi? Vous voyez, je ne sais même pas ce qu'ils leur font faire là-bas. C'est vrai, c'est dangereux. Il peut y avoir du gaz dans la mine. C'est pourquoi je préfère qu'il n'y ait que cette année. Et l'an prochain, je l'envoie à Bogota faire un travail plus sûr. C'est aussi mieux pour les études. Moi, j'aimerais ne plus descendre dans la mine. Si j'avais les moyens, j'arrêterais, c'est sûr. Mais ici, à Topaga, on ne peut rien faire d'autre que ça. Si on n'extrait pas le charbon, avec quel argent on va pouvoir se nourrir, s'habiller ou étudier? Il faut bien payer les livres, l'uniforme et les fournitures scolaires. Tous les jours, lorsque je descends au fond, je risque ma vie et j'ai peur. J'en connais beaucoup qui y sont restés. C'est très dangereux ici. Les mines ne sont pas entretenues ni étayées. Il n'y a aucune sécurité et ça vous tombe sur la tête, comme un rien. Nous, on s'abîme la santé pour des clopinettes. Parfois, ça nous fait pleurer lorsqu'on ne peut plus creuser. Oui, souvent, je pleure de rage. Ici, au fond de la mine, ce sont surtout les poumons qui souffrent. On respire tout le temps de la poussière de houille. On a 2 copains qui sont morts récemment dans la mine. Leur père les a obligés à descendre. Il y a eu un éboulement et ils ont été asphyxiés.
Depuis cette histoire, nous les enfants, on ne voudrait plus aller travailler. Cet accident nous a fait peur, mais on nous oblige quand même à faire ce boulot. Vraiment, il faudrait qu'un jour on arrête de jouer avec nos vies. Il existe en Colombie un règlement sur l'hygiène et la sécurité qui interdit aux enfants de moins de 18 ans et aux femmes de travailler dans les mines. En fait, cette loi aurait dû entrer en vigueur depuis 1989. Malheureusement, il n'existe pas dans ce pays de police des mines qui puisse faire appliquer la législation de manière stricte. Les industriels, eux, s'accommodent très bien de cette situation. Ils profitent de l'anarchie du marché et du grand nombre de petites mines artisanales non officielles pour acheter le charbon à bas prix. Bien sûr, on ne devrait pas tolérer ces exploitations illégales, mais comment faire? Si on les ferme toutes, on risque de créer un véritable fléau social dans le secteur. Le gouvernement veut imposer ses lois, comme celle qui nous interdit de travailler dans les mines. Mais on n'a pas vraiment le choix dans ce pays. Si on ne bosse pas dur, on risque de devenir un délinquant et de voler ou tuer pour survivre. Le gouvernement nous fait du tort avec ses lois, car les jeunes risquent de devenir des vagabonds et d'oublier ce qu'est le travail honnête. Alors moi, je préfère encore m'épuiser à la tâche. Mais au moins, je ne prends pas une mauvaise voie comme de devenir guerrillero. Il y a tellement de violence en Colombie que vouloir empêcher les enfants de travailler honnêtement, moi je dis, c'est criminel. Et en France, est-ce que les jeunes travaillent aussi dans les mines? Parce qu'ici, on est tous obligés de le faire. On vit comme des taupes sous terre, sans jamais voir la lumière du jour. On voudrait bien faire autre chose, mais quoi? Ici, il n'y a que le charbon comme alternative. Quand on rentre à la maison, vers 6 heures du soir, on est épuisé. Et dans ces conditions, on ne peut pas étudier sérieusement. Alors évidemment, j'ai pris beaucoup de retard dans mes études, mais je ne perds pas l'espoir de réussir un jour. Il faut que l'an prochain, je trouve un autre boulot pour m'en sortir. Je n'ai pas envie de croupir toute ma vie dans un trou. Lorsque je descends en ville à Sogamoso, je vois de jolies filles. J'aimerais bien en avoir une pour moi, mais ce n'est pas possible parce que je suis qu'un petit mineur et elles se moqueraient de moi. Non, je n'ai vraiment aucune chance avec ces filles. Alors quand je pioche au fond de ma mine, je pense à elles et je rêve. Pour une jeune fille de 16 ans comme moi, la mine, c'est pas une vie. On est obligé de sacrifier sa jeunesse pour survivre. Mais c'est ainsi. J'aimerais tellement que les pères de famille empêchent leurs enfants de travailler dans sa galerie, parce que ce n'est pas humain. Ici, il y a trop de jeunes affamés qui pleurent à cause de ça. Le gouvernement, lui, s'en fout. Il ne se rend pas compte qu'on souffre ici. J'aimerais tellement qu'on se préoccupe un peu de nous. Et si on arrive à survivre, c'est grâce à Dieu. Parce que chez moi, tout le monde travaille, sans exception.
Mon mari m'a abandonnée lorsque les enfants étaient tout petits. Il ne m'a même pas laissé une photo de lui, ni le moindre pesos. Voilà pourquoi je suis obligée de faire travailler mes propres enfants. Les pauvres, ils ne connaissent même pas l'école primaire. Leur école à eux, c'est la mine. C'est un péché de laisser descendre ainsi des mômes dans ce trou à rats. On vit comme des bêtes. On ne peut même pas se tenir debout. Toute la journée, on reste plié en deux. Et c'est encore plus éprouvant de travailler ainsi. On souffre de crampes aux jambes. Et en plus, ce filon de charbon est dur à casser. La mine, ce n'est pas un endroit pour une femme comme moi. C'est trop difficile. Regardez mes mains comme elles sont sales et fatiguées de piocher sans arrêt. Elles sont pleines de corps. Moi, je gagne moins qu'un homme parce que je produis peu, évidemment. J'arrive à peine à 15 francs par jour. Oui, ce qu'on vit ici, c'est de l'esclavage. Rosita, tu as sorti combien aujourd'hui? Un quart de tonne. La galerie était en bon état? Plus ou moins bien. Et toi, petit, combien? Pas grand-chose. Et toi, combien? Un quart de tonne aussi. Et le plafond, il tient toujours? Bof, mais ça ira quand même. Le charbon est dur à casser? Ah ça oui, très dur même. De toute façon, il faut bien venir à bout pour gagner sa croûte. Hein? Oui, patron. On espère que Dieu et la Vierge nous gardent en vie pour qu'on puisse revenir demain. Exactement. Et à la première heure, faites le signe de croix, descendez au fond, ok? Bien, patron. Si les galeries de ma mine sont basses, c'est parce que le filon de charbon est étroit ici. Alors évidemment, il faut creuser à genoux. Ah oui, c'est dur pour ces pauvres femmes, mais que voulez-vous? Elles n'ont pas de ressources, et dans les autres mines, personne n'en veut. Alors elles m'ont demandé du travail pour nourrir leurs enfants. Je les ai donc embauchées. Faut être sympa avec ces gens, parce qu'ils ne mangent pas à leur faim. Et moi, je me sens un peu leur bienfaiteur. Travailler dans la mine, ça déforme mon corps. Regardez mes jambes et mes bras. Ce sont ceux d'un homme et pas d'une jeune fille. Je n'aime pas voir ma silhouette se transformer ainsi, mais je n'ai pas vraiment le choix. J'ai les poumons encrassés de houille. Et lorsque je n'en peux plus, lorsque j'étouffe, je sors respirer un coup. Lorsqu'on tombe malade, on n'a ni sécurité sociale, ni l'aide d'un syndicat, on n'a rien. Et le patron, lui, s'en fout toujours. Ces gens-là, lorsqu'on les embauche, on les prévient, on leur dit « on vous file du boulot, d'accord, mais on n'est pas responsable si vous arrive le moindre pépin ». Alors moi, j'ai bonne conscience, au moins, ils bossent. Por voluntad de Dios ahí, que aguas así. Nosotros pensamos que de pronto se nos moría. Y si mi mamá nos llega a faltar, yo no sé cómo será. Nadie nos apoya. Nosotros hemos sufrido mucho y todo por culpa de mi papá. Cuál es el pulso niuso, tu
cuerpo se desliza y tienen tus caricias el frío del terror. Y es tu mirar tan triste que a veces causa pena, igual que el de la hiena que incuba una traición. A veces me pregunto en qué estaba pensando el día que mis ojos se fijaron en ti. No me perdono nunca el haberte mirado, del mal que me has causado, solo culpable fui. On a créé cette coopérative en mai 92 pour offrir une alternative aux enfants mineurs de la région. Ici, nous avons deux activités, la sculpture sur charbon et la confection de vêtements de travail. Les enfants font surtout des figurines précolombiennes, des cendriers, des presse-papiers et autres gadgets. Ces sculptures sont ensuite vendues aux touristes. La coopérative récupère 20% du prix de l'objet pour ses frais de fonctionnement et les 80% restants sont pour les gosses. Par exemple, avec cette figurine, un enfant gagne 10 francs pour une demi-journée de travail, soit l'équivalent de la moitié du salaire minimum du pays. Seule une minorité des enfants de la région travaille ici. On voudrait qu'ils soient tous là, mais on ne peut pas les obliger à venir. Beaucoup ont fait un passage éclair à l'atelier parce qu'ils ne gagnaient rien durant leur apprentissage, alors qu'à la mine, on les paye le jour même. Moi-même, j'ai dû pousser la brouette quand j'avais 11 ans. Et parfois, je pleurais d'épuisement ou d'avoir trop soif. On travaillait tous les jours de 6h du matin à 5h du soir. Vraiment, ce ne sont pas des conditions humaines ni acceptables pour des enfants. C'est pour cela que je lutte pour la survie de notre coopérative. Leur maman, c'est Rosa Chaporro. Et leur histoire, ça me rend très triste. Je l'ai supplié plusieurs fois d'arrêter de piocher dans la mine, mais cette pauvre femme n'a pas de quoi nourrir correctement ses propres enfants. Alors elle s'échine à la tâche comme un miséreux. Et demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? ¿Qué más, Marta? ¿Qué más? Es un milagro verla. Un milagro de siempre. ¿Qué has pensado del estudio? Pues, no sé. Quería seguir estudiando, pero no hay plata. Nos vemos esta tarde en tu casa y te explico algo del estudio. Bueno. Bueno, chao. Chao. Moi aussi, je travaille à la mine, mais j'ai la chance de pouvoir aller à l'école le matin pour avoir plus tard un bon métier.
así poder conseguir hacer una buena carrera. J'essaie sincèrement d'aider ma meilleure amie Milena en lui donnant des leçons particulières pour qu'elle rattrape son retard. Lo que más que pueda para sacarla adelante. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué? Nada. ¿Qué me ibas a venir? Lo poco que me ha enseñado. Le peu que j'apprends avec Marta me sera toujours utile, car dans cette région, on est condamné à travailler comme des bêtes dans la mine si on n'étudie pas. Grâce à mon amie, j'espère pouvoir m'en sortir un jour. Mais est-ce que j'en serai vraiment capable? No tengo la mayor posibilidad de seguir estudiando. Lorsque c'est le week-end de paye, alors je rentre au village, dans ma famille, voir si tout va bien, ma mère, mes petits frères et sœurs. C'est important de se préoccuper de ses proches. Je travaille loin d'eux et ils me manquent. La dernière fois que j'ai joué, j'ai fait un match de foot. C'était sympa cette vie lorsque j'étais enfant. Mais aujourd'hui, je me sens plutôt adulte. Je peux me prendre en charge tout seul. Et j'aurais honte de redevenir un gosse. Ya me puedo defender ya. Ya soy ya pena. Ser uno por ahí, así ya seguir otra vez el camino de ser niño. Moi, ça fait 5 ans que je trime. Alors vouloir vivre comme un enfant de mon âge, c'est trop tard. J'ai trop pris l'habitude de travailler. Et rester inactif à la maison sans gagner ma vie, c'est pas mon truc. Non, ce n'est pas pour moi. Alors il vaut mieux que je continue à la mine. Là au moins, je me sens bien. Avant de descendre, je fais toujours mon signe de croix. Et en bas, sous terre, je me sens protégé par le bon Dieu et la Sainte Vierge.